Hey! Coucou, c'est Arm. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle transformation sur les Sims 4. Pardon. R.I.P. Michael Jackson, tu restes dans nos cœurs. Pardon. Alors, on va. Bah voilà, 1, 2, 3, c'est fait. On va partir là-dessus. J'ai rien prévu pour tout vous dire. Rien du tout. Et la musique chiante recommence. Bref. En plus, sur la vidéo, on n'entend pas trop. Et du coup, je pense pour un gros débile à attendre que la musique se termine alors qu'on l'entend presque pas. Bref, je suis quelqu'un de très normal. Ne me jugez pas, merci. Ne me tapez pas dans les commentaires. Allez. Hop. Autant vous dire honnêtement que ici, que vous voyez cette maison verte, bleue et rouge bordeaux, j'avais quelques idées en tête, vous voyez. Je savais ce que je voulais faire à peu près. Alors que là, j'ai rien prévu du tout. Absolument rien du tout. Hop, hop, je casse tout. Ah, je vous ai pas montré. Bah, y a pas grand chose à montrer. De toute façon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous montre? Il n'y a pas d'étage, rien du tout. Derrière, il pourrait faire pousser des arbres. Ça coûte pas si cher que ça. Bref, critiquons pas le travail de nos confrères. Voilà. C'est pas bien de critiquer. Non, je dis que j'adore critiquer. Voilà, la musique se termine, hop, ciao. On va casser ces plantes. J'espère que l'antivirus ne s'ouvrira pas, hein, les gens. Parce que vous m'avez dit de le désactiver tout, mais mon antivirus est déjà désactivé quand je tourne. Mais il y a des pages qui s'ouvrent comme ça, au calme, en mode no respect, bitches. Mais no respect, ok, tu verras. Alors, comment on pourrait partir? J'ai rien prévu de faire tout ensemble, voilà. Bon, sauf la déco intérieure, puisque c'est à peu près la même chose. Enfin, c'est souvent pareil ce que je fais. Bon, déjà, on va te baisser. Merde. Hop. Attendez. 300. On dirait que j'ai dit croissant. Sans paraît cool. Voilà, on va juste baisser ça. Pour le toit. Pour déjà, on va faire une deuxième étage quand même, puisque ça reste assez petit ce qu'on a fait là. Hop. Voilà. Pour l'escalier, j'aimerais bien mettre l'extérieur ici. On va faire ça. Enfin oui, mais si je mets là, comment je vais rentrer? On pourrait le mettre là. Genre... comme ça. Ah ouais, carrément. On va partir là-dessus. De toute façon, on va fermer. Ah ouais! Je ne savais pas ça, putain! Limite, on pourrait mettre là, quoi. Imaginez... Non, 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 ça serait non. Non, n'abusons pas, on va juste le faire de deux comme ça. Et on va fermer. Yeah! Ça me paraît correct. Pour le moment, bien évidemment. On pourrait mettre une porte, vous imaginez, juste là. Genre... nice, on peut. Ok. Par contre... comment on met les demi... Oh, qu'est-ce que c'est à côté? Parce que si je veux fermer un peu comme... enfin, vous voyez les murs que j'ai mis à côté. Si je veux faire pareil... non, 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 ça fait trop les... ça fait trop chelou. Non, merci. Alors... le toit. Du coup, je peux pas dépasser comme ça. Ah si, oui, mais on rentre dans le... non. On rentre dans les escaliers et tout, ça fait moche. Par contre, je peux dépasser de là, comme ça. Voilà. On fait pareil de ce côté-là. Là, je peux dépasser de 1 et on fait tout droit. Pour que ça colle. On va peut-être les baisser.
1, 2. 1, 2. Yeah! Ça me paraît cool. C'est pas trop imposant, c'est pas trop plat. Hop, là par contre, on peut bien dépasser. Hop. On va juste baisser un peu. Nickel. Putain, j'avais peur pour la forme et le toit, mais franchement, là, j'aime trop. J'aime trop l'escalier ici, comme ça. Limite, on pourrait faire un balcon ici, non? Et si on casse ça? Et ça? Et que je pose, je sais pas, imaginons. Pensez qu'on peut. Oh, on peut. Et là, on peut mettre un toit. Oui, mais ça rentre. Non, on peut pas faire ça. Ah, je l'ai posé à l'extérieur. Merde. Attendez. On le pose là, on l'avance jusqu'ici. Ouais. Pourquoi pas, limite. Alors. Ah, mais avec ces trucs-là, là, à l'extérieur, du coup. Faudrait faire ça. Voilà. Yeah. Vous pensez qu'on peut mettre des fenêtres sur les toits? Non. Parce qu'il y a des toits où. Je sais pas s'il y en a aux alentours. Non, il n'y a pas. Mais bon, tant pis. Alors, les cheminées. Ah non, la couleur de notre toit déjà. J'aime bien ça. Hein. J'en ai déjà utilisé en plus. Oh! Et la couleur des murs. Non, là, je fais des châteaux de princesse un peu. Non, 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 non. Ah, gris, j'aime bien. Pardon. Gris, j'aime bien. Ça fait. Non, ça va. Moi, ça me convient. Écoutez. Ah, oh, je suis trop content. Pardon. Non, 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 ça va, ça va. Attendez. On pourra mettre un truc comme ça, du coup, ici. Non? Ah, oh, attendez. Hop. On part là-dedans. Ah non, c'est nul en fait. Ouais, je vais fermer là, je vais faire une sortie par ici ou. Non, comme ça. Voilà. Ok, on touche plus, hein. Pour l'instant, on touche plus. Les fenêtres. Les fenêtres, la fenêtre. Qu'est-ce que je vais pouvoir bien mettre cette fois-ci? Non, c'est trop grand ça. Ouais. Oh. Non, 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 non. Oh. Et ça fait trop grand pour là-haut. On pourra mettre des petits comme ça. Ouais. On le met. Non, il faut le mettre clair. Oh, non, pas sur bleu. Marron comme ça me va. Hop. Limite, lui. Comme ça. Yeah. Ok. Ah merde, on peut pas le centrer, putain. Vous m'avez dit de faire halt. Ah. D'accord, j'ai compris à quoi ça sert halt. Ok. Bah merci, en tout cas.
Attendez. On va faire ça. On peut pas en placer au centre. C'est nul. C'était toi donc. Bah, je suppose que là aussi on peut pas en si. Haha. Pardon. Là on pourra mettre des fontaines. Ah mais c'est chiant qu'on peut pas centrer quoi. Oh, à la limite, c'est pas très grave, hein. Sérieux? Là aussi, on peut pas? Contrôle, peut-être? Non. Bon. C'est pas très grave. Et puis, là-haut, on va partir sur quelque chose. Ah non, là aussi ça marche pas. Sur quelque chose plutôt comme ça. Ouais, en gros, même on peut pas centrer. C'est pas très grave. Là, je vais en mettre un quand même. Ah, mais un bas aussi on peut en mettre, hein. Yeah! Nickel. Nickel, bah écoutez. Non, c'est bien comme ça. Pour l'extérieur, déjà ici, fontaine, sûr et certain, un grand truc. Alors attendez. Hop. On pourrait faire une forme assez. Bon, non, en fait, non, ça fait chelou. Voilà. Ça fait une sorte de piscine un peu aussi. Hop. Est-ce qu'on peut mettre des gros trucs à l'intérieur pour une fois? Non. On va rester là-dessus. Hop. Yeah. On peut mettre un petit arbre ici dans le coin, vous pensez? Enfin, un petit arbre. Assez grand pour que ça soit visible, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Bon, on verra ça un peu plus tard. En tout cas, on va mettre une piscine, je pense. Vous voyez, le terrain qu'on a, c'est juste trop ridicule niveau taille, mais on a réussi à faire un truc assez imposant. C'est ça qui est cool dans les Sims. Putain, j'aime trop les Sims, quoi. Je vais juste regarder là. Ok. Alors, la piscine. Vous savez ce qu'on pourrait faire aussi. C'est ça. Alors, 2, 1. Oh, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de plantes au centre. Non, 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 non. Yeah. Et en fait, au centre, ce que moi j'aimerais mettre. C'est ça. En plus, on peut bien centrer, c'est cool. Oh putain oui! Pardon. On va mettre bien sûr un arbre. Par contre pour ici je sais pas, on va mettre quoi comme arbre qui collerait bien avec la maison. Non, ça fait trop pâle. Il nous faut un truc assez sombre, ouais. Hop.
Nice. Ça me va. Écoutez. Oh, énorme le sapin, putain. Ça m'a fait peur un peu. Alors. Je sais ce qu'on pourra mettre. Moi je sais, moi je sais. N'a pas un plus gros. Si. Putain. Nickel. On va mettre un vers le sapin. Alors. 1, 2, 3, 4. J'ai l'impression que c'est pas du tout centré, mais si. Enfin, centré, aligné plutôt. Voilà. Nickel. Oui, pour la piscine, il faut mettre des escaliers. Enfin, oui, échelle, pardon. Hop, on en met un là et j'en mettrai peut-être un par ici. Voilà. Et si vous, on vous pousse comme ça? Ah oui, on va vous pousser. Non, après c'est pas centré. Ça me stresse. Alors, partons dans les motifs de sol. Yeah. Ça fait bien. Par contre, je sais pas du tout ce qu'on pourrait mettre au centre de la. Enfin, au centre, un peu pour. Je sais pas. On verra, on pourra mettre plein de plantes et tout. De toute façon, j'aime trop les plantes. Si on en met un là, on pourra quand même passer. Oui, je suppose que oui. Et la porte vient de s'ouvrir, ça me gonfle. C'est le vent. Mais c'est pas grave. Ah, ok, à partir de là, on peut pas. Hop. On va essayer de faire un chemin un peu royal. Hop, voilà. Là, on pourra plus. On pourra dire genre, ouais, on va chez le voisin. Merde. Merde, merde, merde. J'espère que ça va bien rendre, en tout cas, ces plantes. Vu que j'en mets un peu souvent. En tout cas, vous, ça vous plaît. Hein. Ça, c'est sûr. Enfin, du moins, une bonne partie. Nickel. Je me suis toujours pas renseigné pour mettre les maisons en téléchargement et tout. Faudrait voir. Faudrait voir. En plus, faut que je veux vous en parler d'un truc parce que sur, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, il y a pas longtemps, je suis passé partenaire en fait. Enfin, j'étais partenaire depuis un bon moment, si vous voulez, sauf qu'il y avait des problèmes de revenus. Mon contrat était signé, mais en fait j'avais mal signé. Il y avait un problème toujours et que, en fait, j'étais passé partenaire, si vous voulez, depuis quelques mois, mais je touchais pas encore d'argent. Bon, jusqu'à là, au pire, aux Zèves quoi. Mais du coup, vu que j'ai réussi à remplir mon contrat comme il faut et tout, bah je vais pouvoir toucher de l'argent. Et j'ai touché mes premiers revenus et tout, grâce à YouTube, à mes vidéos. Et maintenant, le truc qui court, c'est que je peux acheter les kits qui sortent sur les Sims et tout grâce à cet argent. Du coup, c'est trop cool. Pardon, voilà. C'était tout pour vous dire que voilà. Je ne vous cache rien. Je vais pouvoir acheter des kits. D'ailleurs, pour le prochain, j'achèterai.
Yeah. Ah, moi j'aime bien. Je ne sais pas vous. Bon, par contre, on va pas partir faire le contour. Ça sert à rien. On va juste peut-être mettre ça sur les barres. Histoire de dire que ouais, on clôture. Hop. Là, ça fait un peu l'entrée. Ah oui, là, on pourrait en mettre aussi. Nice. Nickel. Ok. Non, pas de piscine, mais plus fontaine. Ah, ça va casser. Ouais. Ok, cool. On a obtenu un truc assez jojo. Moi, je veux les gros trucs, mais j'ai... Mais regardez, ils sont trop énormes. C'est trop de la merde. Putain, on peut rien placer. Bah oui, bah super. On met toujours ça, quoi. Et où est-ce qu'il est mon truc là? Ah, on peut mettre ça. Bah voilà, on a réussi à en placer au moins un. Même s'il est pas très grand, c'est pas très grave. Limite, on pourrait faire ça. Ouais, non. Hop. Voilà, dans les coins. Mais voilà à peu près la base. Je sais pas ce que vous en pensez. Il faut des lumières. Trop sombre, trop sombre. Toi. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 2. Ouais, on n'est pas obligé de mettre 5 par 5 non plus. Hop. Oui, là, si on arrive si on arrive à placer un bloc, c'est qu'on peut passer, ça va. Enfin, un bloc, vous avez compris. Un nous plaît. Nickel. Ça commence à prendre forme. Ça fait bien rempli en fait, c'est ça que j'aime bien. Ça fait vachement bien rempli. Ouais, non, en abusant pas. Ouais, là aussi on pourra mettre des chaises comme ça et tout. Bref, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là et passer à l'intérieur. Faire tout ce qu'on a à faire à l'intérieur. Et puis je vous reprends tout de suite avec peut-être beaucoup plus d'arbres remplis. Avec beaucoup plus d'arbres. Ouais, autour et tout. Bref, on se retrouve tout de suite pour vous montrer le résultat final avec les meubles et tout et l'extérieur bien complet. A tout de suite. Et re les amis, on se retrouve pour notre petite visite très rapide pour vous montrer l'intérieur et puis l'extérieur une fois terminé, et que c'est le cas maintenant, voilà, avec des arbres, des piscines et tout ça. On va passer en vision nocturne parce que j'aime bien, ça fait toujours plus joli à mon goût. Bref, alors peut-être que ça va paraître débile, mais pour une fois je préfère l'intérieur que l'extérieur. Enfin, l'extérieur reste cool en fait. Moi j'aime bien, enfin... Le petit chemin et tout ça, donc, ça me paraît cool, mais l'intérieur, je sais pas, j'aime bien, j'aime bien, voilà, j'aime bien. Pour une fois, en fait, je vais vous montrer ça, bim,
J'ai pas mis la chambre à l'extérieur en fait, parce que si vous avez pas suivi, habituellement je mets la chambre et puis un petit coin par et tout à l'extérieur, en supérieur, enfin aux étages, à l'étage supérieur. Cette fois-ci j'ai fait le contraire puisqu'on a des escaliers qui montent directement. J'ai fait un petit côté salle à manger, bar et cuisine. Voilà, comme vous voyez, j'ai bêtement séparé en deux. J'ai pas cherché à comprendre, j'ai fait une grande cuisine. Et puis voilà, je sais pas ce que vous en pensez, c'est bien rempli. Regardez ça, les bars que j'ai trouvés. C'est magnifique. Moi j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Bref, j'ai un peu fait une famille nombreuse, vous allez voir ça à l'étage, enfin en bas. Voilà à peu près notre salle à manger, la cuisine. On descend, tac. Alors on va commencer par l'entrée, puisque là-bas aussi j'ai commencé par l'entrée. L'entrée, ce qu'on voit, en fait une petite table avec l'échec et compagnie, bibliothèque, petit canapé pour se détendre. Je sais pas, prendre le livre et se poser là peut-être. Voilà. Fontaine moderne. J'ai trouvé ça, j'ai fait oh putain, je le veux. Je le veux, je l'ai eu. Là, comme d'habitude, j'ai fait un petit coin amoureux. Je suis célibataire. Là, j'ai fait un petit côté salon que j'aime bien. Enfin, c'est surtout les couleurs que j'aime bien, je crois. Pour une fois que j'ai pas mis du blanc. Voilà, rien de bien spécial, un truc basique, assez basique, voilà. Devant les trois chambres, j'ai mis un petit côté geek pour les bébés, enfin bébés, pour les enfants, le garçon et la fille. Et là, l'entrée des chambres que j'aime trop. J'ai mis les tapis qui séparent. Au centre, vous avez les parents, la chambre des parents, voilà. Assez simple, très simple même. Et à côté, en fait, j'ai mis la chambre des ados. Si vous voyez bien, en fait, les deux chambres sont pareilles. L'emplacement des lits, des petits trucs dérangements et tout. Enfin, tout est pareil, même les meubles, sauf la couleur. Voilà, j'ai voulu faire un truc identique pour les bébés. Comme ça, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas d'embrouille. Même la taille des chambres, c'est pareil. Et puis voilà, quoi. On a fait le tour. Un tour assez rapide. Ah, je vais faire ça tout de suite avec vous. J'ai oublié de placer le cheminée, notre cheminée. Nice, voilà. Voilà cette petite maison. Bon, le terrain n'était pas, on n'avait pas un terrain énorme, hein, mais le peu de ce qu'on a eu, franchement, c'est pas mal. Voilà. J'espère que vous, ça vous plaira. En tout cas, ça reste dans le même style que les trois précédentes. Précédentes, vu que c'est des maisons, c'est précédentes. Bref, passons. Et bah voilà, on se retrouvera sûrement dans une semaine pour faire une maison énorme ici. J'ai trop hâte, j'ai vraiment trop, 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 trop hâte. En tout cas, si cette maison vous aura plu, faites-moi le savoir. Mettez un petit pouce bleu. Voilà, comme d'habitude. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de nos maisons dans les Sims 4. Bisous!